Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Aujourd'hui, Olivier Oger est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe EDHEC, Business School, évidemment une école de commerce bien connue de tous les métropolitains dans la métropole lilloise. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter quand même un petit peu plus en détail le concept de l'EDHEC aujourd'hui? C'est une école de commerce, mais encore? C'est une école qui prépare en fait à tous les métiers du management dans l'entreprise, donc le commerce, la finance, mais aussi les ressources humaines, les systèmes d'information, la logistique, tout ce qui tourne autour des affaires. Si on devait rappeler un peu l'historique rapidement, en deux mots, de l'EDHEC, c'est une vieille école, si on peut dire. L'EDHEC a été fondée en 1906 par des industriels textiles roubaisiens et elle s'est rapidement développée ensuite au sein de l'Université catholique de Lille et a pris son envol dans les années 50 où elle est devenue indépendante et s'est développée non seulement sur la métropole lilloise, mais aujourd'hui à Nice, à Paris et deux implantations à l'étranger, puisque l'EDHEC a un campus à Singapour aujourd'hui et un campus à Londres. On y reviendra justement sur ces implantations à l'étranger pour rappeler également aujourd'hui le nombre d'étudiants chaque année que vous formez à l'EDHEC. Alors nous formons 6 000 étudiants en formation première et 12 000 en formation continue. Alors les 12 000 en formation continue ne sont pas présents tous les jours, ce sont des cours du soir, des cours du week-end, mais c'est une population qui est bien de 18 000 personnes formées chaque année dans nos salles de classe. Avec différentes formations, vous l'avez dit, ça correspond à combien de formations globalement vraiment qu'on peut suivre à l'EDHEC? Alors on propose aujourd'hui 17 formations différentes. Quand je parle des formations diplômantes, parce qu'on fait aussi des formations à la carte pour les entreprises, mais 17 formations différentes qui recrutent pour la première entrée au bac, juste après le bac, hein, c'est l'ESPEM, et puis des entrées après classe préparatoire, ça c'est l'EDHEC, ou des formations de troisième cycle et de formations doctorales. Quels sont les élèves, si on pourrait dire un peu votre clientèle, même si ce n'est pas forcément le terme approprié, mais les élèves, leur profil qui viennent à l'EDHEC? Alors, l'EDHEC moyen est pour un tiers non français, donc il y a un tiers des étudiants qui viennent de l'autre bout du monde, pour la plupart, que ce soit des Amériques ou d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient. Pour la partie française, ils viennent de toute la France. Bien sûr, la région Nord-Pas-de-Calais est bien représentée, mais ça ne dépasse guère 10-15%. Donc c'est une école nationale et internationale. Et les profils des étudiants sont des profils assez variés, puisque nous recrutons aussi bien des scientifiques que des littéraires, parce que nous pensons que pour réussir dans les métiers des affaires, eh bien, tous les parcours sérieux du bac sont tout à fait les bienvenus. L'EDHEC, c'est aujourd'hui une grande école, c'est indéniable, mais c'est une grande école. Ça coûte évidemment, la formation a un coût. Quel est son coût justement aujourd'hui et quelles sont les facilités pour les élèves de payer tout cela? Selon les programmes, l'année de scolarité va être entre 7 000 et 15 000 euros. Ce chiffre est à rapprocher du coût d'un élève dans l'enseignement public pour l'État. La seule différence, c'est que dans l'enseignement public, c'est l'État qui paye et chez nous, ce sont les familles. Entre 7 000 et 15 000 euros, nous sommes pas plus cher ou au même prix, au même coût de formation qu'un élève de l'enseignement public. Bien sûr, mais donc les facilités pour tous ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de payer en moyenne 10 000 euros. Donc. Tout à fait, c'est notre philosophie de dire que tout élève qui a envie de faire l'EDHEC, qui a le niveau pour faire l'EDHEC, mais qui n'en a pas les moyens, doit pouvoir le faire. Et chaque année, nous distribuons des bourses et des prêts d'honneur pour des montants relativement conséquents. Ce qui fait qu'un certain nombre d'élèves, y compris ici sur la métropole avec des élèves qui viennent de lycées particuliers avec lesquels nous avons noué des relations assez intimes, viennent en gratuité parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une école comme l'EDHEC. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'EDHEC, c'est encore une grande école? C'est la qualité des élèves, la qualité des formations? Alors d'abord, je vais vous corriger un petit peu. Le mot grande école est un mot que l'on ne comprend qu'en France. Dès qu'on passe la frontière, on ne parle que d'université. L'EDHEC, c'est une université spécialisée dans les affaires, dans le business. Et ce qui fait que l'EDHEC se développe internationalement ou se développe bien, c'est que l'EDHEC respecte les critères académiques classiques qui font la notoriété des grandes universités dans le monde, c'est-à-dire la recherche des professeurs, le niveau de la pédagogie, la qualité des étudiants et de leur suivi. Alors vous le disiez tout à l'heure en introduction, l'EDHEC aujourd'hui c'est des campus donc à Lille, à Nice, mais également en Angleterre et puis même à Singapour. Alors pourquoi ce développement à l'étranger de l'école, de l'université? Si vous voulez, c'est très simple. Nous avons une ambition internationale. Nous souhaitons, nous voulons que l'EDHEC soit une des marques mondiales dans le monde des écoles de commerce. Et pour ce faire, eh bien, il faut à la fois recruter sur nos campus français des étrangers, mais démontrer notre savoir-faire auprès des entreprises étrangères et internationales qui sont basées dans ces grandes villes. Singapour et Londres sont deux grandes capitales économiques. On peut dire que Londres est la capitale économique de l'Europe et Singapour une des capitales économiques de l'Asie. L'objectif est d'être visible auprès des recruteurs de ces pays pour que nos étudiants y trouvent des emplois, pour que nos professeurs y trouvent des terrains de recherche. On parle là quasiment d'une concurrence d'entreprise. C'est essentiel aussi pour l'EDHEC justement d'être présent à ce niveau-là? Absolument, tout à fait. Vis-à-vis du monde des entreprises, l'enjeu, il est là. En fait, sur quoi allons-nous être jugés? Nous sommes jugés sur notre capacité à apporter des solutions aux entreprises, que ce soit par nos professeurs au niveau de la recherche ou par la qualité de nos étudiants. Merci beaucoup Olivier Oger d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe EDHEC, l'école donc de commerce et l'université lilloise. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.